si la vogue d'interprète de Jean Rictus fut éphémère, les paroles s'envolent, les écrits restent, nous avons la fierté de penser que son œuvre n'a rien perdu avec le temps. Et Rictus est toujours bien ce dernier poète catholique qu'avait salué Léon Blois. Dans notre livre d'or, en tournant bien des pages, j'ai trouvé la signature d'un comédien très populaire et j'ai voulu voir là non seulement une coïncidence, mais une rencontre, celle à plusieurs années de distance d'un poète et d'un interprète. J'ai le plaisir de vous signaler la présence parmi nous d'un grand artiste de la scène et de l'écran. Il a créé de nombreuses pièces, il a tourné tant et tant de films que j'en citerai seulement quelques-uns pour mémoire. La Grande Illusion, La Bête Humaine, La Règle du Jeu, Adieu Léonard et récemment Le Mannequin Assassiné. Cette vedette est la providence des imitateurs. C'est un gars de chez nous dont la verve et l'accent enchantent le public. Et c'est enfin, qu'il me permette de lui dire, un camarade charmant et qui ne vit que pour son métier, c'est Julien Carrette. Mon cher Julien, nous sommes très heureux de te voir ici aujourd'hui au Lapin Agile. Et je vais te demander si tu étais venu déjà dans ce cabaret. Oh oui. Bien sûr, puisque tu es un signataire du livre de bord. Vers oui. Quelle époque es-tu venu? Oh, il y a longtemps. Il y a longtemps, c'est-à-dire? Après l'autre hier, pas celle-là, mais l'autre. Oui, l'autre. Il y a toujours des hier, hélas. Ouais. Et alors tu n'es pas revenu... Du temps du père Frédé. Le père Frédé, oui. Tu penses. Oui. Et tu n'es pas revenu au Lapin Agile, c'est pas gentil. Ça. Non, c'est pas ma faute. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de métro. Tu c'est meurs, la oui. grève du train. Oui. Après, tu as ta voiture, mais tu n'as plus d'essence. Bon, tu demeures au Vésinet, je crois. Oui. Bon, oui, oui. Et alors, c'est là également, au Vésinet, que demeure le peintre Utrillo. Ah oui? Est-ce que tu as eu l'occasion de le voir? Eh oui, oui, oui. On t'a présenté, enfin, oui, vous oui, êtes rencontré. Sa femme, Lucie Valor, m'a présenté oui, à oui. lui. Et tu as été content de le voir. Très content, on aime toujours voir un homme de grande valeur. Et qu'on admire, mais oui. il m'a rien dit. Il ne t'a rien dit. Eh bien, je crois également, Carrette, que tu as travaillé tes classiques et que tu as joué avec Jacques Copeau. Qu'est-ce que tu as joué? Est-ce que tu as un souvenir sur cette période? Oui, j'ai joué Le Mariage de Figaro. Et quel rôle jouais-tu? Chérubin. Et alors, ça a très bien marché. Oui, oui, enfin, ça a marché, ça a marché. Enfin, on m'avait mis une perruque blonde. Oui. Comme je suis très brun, j'ai eu beau me raser de près, mais le soir, la barbe repousse. Je m'étais... Un moment, il y a la marraine qui doit m'attacher un petit ruban qui fait qu'il est mignon, ce petit. Oh, elle m'attachait un ruban au bras, alors je m'étais rasé les poils des bras juste pour le ruban. Voulait qu'elle remonte ma manche un petit peu trop haut et qu'on voit tous les poils en haut. Déjà, le public rigole, elle m'attache le ruban et j'entends dans la salle ce qui m'a dégoûté de cet emploi pour la vie. C'est qu'une dame fait « Oh, qu'il est drôle !» On dirait Boucault. Eh bien, Carrette, je te remercie. Je crois que tu as choisi un poème de Rictus maintenant. Et je crois aussi que c'est la première fois que tu interprètes cet auteur. Oui, c'est vrai. Et grâce à toi, oh, tu as été gentil. Tu m'as dit « lis-le » et je l'ai lu avec un tel plaisir. J'aime beaucoup Rictus, j'aime oui, beaucoup ses œuvres. Oui, oui, oui. Eh bien, nous sommes très heureux que cette première fois ait lieu ici. Nous t'écoutons, mais auparavant, je tiens à te remercier d'avoir répondu à mes questions avec tant de gentillesse.